Qu'est-ce que c'est? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en meilleure forme que moi. Nous sommes lundi soir, je voulais vlogger en rentrant, mais je me sens toute courbaturée, toute patraque, toute pas bien. Bref, j'ai la crève. Je voulais courir et tout, j'avais même emmené mes affaires de sport pour courir dehors, mais il faisait vraiment pas beau. Enfin, ça pleuvait et tout, donc je me suis dit non, tant pis, pourtant moi courir sous la pluie je m'en fous, mais là ça faisait vraiment style orage, donc je me suis dit c'est pas grave, puisqu'en fait ce matin, j'étais du matin en stage, et si vous avez suivi mon vlog d'hier, j'avais une réunion du coup à l'IFAS en sortant du stage, donc en fait j'ai fini à 13h30, je suis arrivée à 14h à l'IFAS, j'ai fait ma réunion pendant 2h, et après je suis sortie, comme je vous ai dit, au niveau du temps c'était pas ouf, donc je suis rentrée, je me suis dit je courrai à la maison et tout. Et en fait je sentais sur le trajet du retour que les trois quarts d'heure étaient très très longs pour rentrer, que j'étais fatiguée, que j'étais pas spécialement bien. Je suis rentrée, j'ai dit à Vincent je me pose sur le canapé, je suis pas ouf. Il a récupéré un drive en plus pour filmer le retour de course. Je lui ai demandé de tout laisser sorti, donc du coup bah, il a rangé tout le frais et il a laissé tout le reste sorti. J'étais vaillante, je me disais vas-y je vais tout filmer ce soir, mais même pas. Je me suis mise sur le canapé et je suis toute courbaturée du dos. J'ai sorti l'huile là, je vais m'en mettre parce que je suis toute... Bref, voilà, je suis toute courbaturée. Je pense que c'est la crève hein, tout simplement, hein, mais parce que c'est pas ma course de samedi qui me fait des courbatures, hein, loin de là. Donc, bref, voilà, après on a mangé, comme vous avez... Ouh, je suis penchée, pardon. Comme vous avez pu voir, on a mangé sous plantis. Et puis voilà, je suis un peu KO, j'ai nettoyé la salle de bain, les toilettes, Vincent a fait pratiquement tout le reste, là il y a Bob qui est en train de passer, et puis voilà, demain Vincent il va s'occuper du garage, il va faire un gros tour à la déchetterie, il y a Papy Denis qui va bien nous aider, et puis voilà, et puis moi demain stage, j'ai mon évaluation de fin de stage en plus. On aurait dit un petit oiseau. Et voilà, j'ai le nez qui pique, j'ai mis ce qu'il faut. Et puis voilà, demain, je pense que là, il me faut une bonne nuit de sommeil, ce que je disais à Vincent. Donc là, on va mettre le film pour une fois dans la chambre. On va regarder la une, là. Il y a un film avec Jennifer, je sais pas quoi, là, avec Michael Youn. Si je m'endors, tant mieux. Si je m'endors pas, bah voilà. Et ce qu'il nous faut surtout, c'est une bonne nuit de récup. Je pense que j'en ai fortement besoin. Donc j'ai dit à Vincent, bah tant pis, je pose la caméra pour aujourd'hui. Et demain, j'ai la réunion d'école avec Nini en plus à 18h30. En fait, Léonie va faire un voyage scolaire au ski pendant 5 jours. Et on va avoir une réunion en fait pour parler finances, pour parler tout ça, comment on peut faire en sorte que bah, le voyage soit moins coûteux. Donc j'ai les réunions en plus demain soir, donc je suis pas rentrée encore. Et demain du coup c'est mon deuxième matin, je suis pratiquement du matin toute la semaine, sauf vendredi où je suis du soir. Donc c'est pareil, ça me... Hein, voilà, et puis voilà. J'aurais préféré ne pas être malade parce que déjà d'une en stage c'est pas cool d'être malade. Et de deux, j'ai quand même mon partiel pour vendredi prochain et c'est pas le moment que mes batteries elles soient faibles. Hein. Mais c'est pas grave, on va se remotiver. Ce soir je me ménage et il faut vraiment que j'aille faire cette prise de sang. Bref, on va regarder le truc avec Vincent. Et j'ai pris avec moi les catalogues de Noël pour regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai pratiquement toutes les idées. Donc c'est cool, comme ça je vais pouvoir vite vous faire la vidéo sur ça. Oh, c'est vachement bien ça. Regardez pour bébé Raph, vas-y, je vais lui prendre ça. Oh, j'ai réussi où ça? Oh, c'est un Stokomanie. Un calendrier de l'Avent Playmobil pour le bain. Regarde. C'est pour quel âge? C'est vachement bien pour Didou pour le bain. Qu'est-ce que t'en penses? Il avait l'âge, c'est qu'il y a Playmobil, il est tout là-dessus. Bah, mais là, ça a l'air d'être des gros Playmobil, regarde. C'est vachement bien. Qu'est-ce que t'en penses? Vous verrez, on a pris les calendriers de l'avant des filles dans le retour de course que je vais vous filmer demain. Demain, du coup, je suis motivée. Demain, je rentre.
je fais une sieste. Et j'aimerais bien courir avant que j'aille chercher les enfants. Et après, zou. Je filme ce retour de course. Il fait voir mon mec, s'il te plaît, que je leur fasse voir. T'approches pas. Ah, tu vois. Regardez comme c'est vachement bien. Franchement, ça fait des jeux pour le bain. Parce que là, j'ai jeté tous les jeux pour le bain tout à l'heure quand j'ai nettoyé la salle de bain. Ils étaient tout pourris. Je vais nettoyer le filet aussi. Moi, dès qu'il y a un peu de moisi, je jette. Hein. Regardez. Là. Hop là. Oh, y a une... T'as vu la nouvelle pub pour le harcèlement ? Là, elle vient de passer, là. Pff, ça fait peur. Bon, bref. Allez, je vous laisse là. Je vous reprends demain. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et que vous n'allez pas m'abandonner. Abandonnez-moi pas, s'il vous plaît, parce que je poste moins. Je vais me reprendre. Là, c'est juste que j'étais fatiguée. Aujourd'hui et puis la semaine dernière j'ai pas posté pendant 2 jours parce que bah, vous avez vu on était chez des amis et tout et l'occasion n'était pas propice à ce que je puisse monter mon montage parce que bon c'est du temps hein, quand même. Voilà, allez, je vous dis à demain et je vous souhaite une belle soirée. Chien, vous avez dû voir, du coup Vincent il a fait le tri dans le garage, il a rangé toute la buanderie et tout, et je vous avais dit que papy Denis venait l'aider aujourd'hui, et il a reçu ça, c'est une banquette pour chien, c'est pas trop stylé, en fait on en avait marre d'acheter tous les 2-3 mois une panière et de l'acheter parce qu'elle se lave pas et que voilà ça pue avec l'humidité etc, on a le B-Save donc on trouvait ça bête. Du coup, on a investi et il a acheté du coup une banquette pour les chiens. Et en gros, ça, c'est déhoussable. Et vous pouvez du coup bah, le passer en machine. Et puis avec le B-Save, vu que c'est du canapé, on peut, vu que c'est un tissu, on peut le nettoyer. Donc voilà, je trouve ça trop kiki. En vrai, t'es sûr que c'est pour les chiens? Bah oui, tu m'étonnes, c'est beau. Ici. Parce que c'est mon lit, ça. Mais t'es pas un toutou? Non, mais c'est mon lit. Ah bon? Mais je suis moi. Mais c'est toi, maman. Ah non, non, mon toutou. Il est parti chercher Raph, papa? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a passé à l'école aujourd'hui? Ouais. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu sais plus? Non. Est-ce que tu as chanté? Non. Est-ce que tu as dansé? Non. Est-ce que tu as fait du sport? Non! Rien de tout ça? Est-ce que tu as lu des histoires? Oui! Ah! Est-ce que tu as fait des choses pour, je ne sais pas, moi... Des choses... Oui, on a fait des petites choses. Des petites choses, quand même? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, ça va. Il est 16h45. J'ai terminé de faire le retour de course, Léonie est chez son papa, Maëvi est à la rentrée de l'école. Touche pas, s'il te plaît, t'as les mains pleines de chocolat, Maëvi. Et moi, à 18h30, j'ai la réunion d'école, je me tâte à y aller, mais il va falloir, hein. Il va falloir que je me bouge. J'ai Vincent, me dit, si tu veux, j'y vais à ta place, c'est trop fatigué, c'est que je suis vraiment, mais KO. Écoutez, c'est pas grave, il faut que je cours en plus aujourd'hui, on est mardi. Hier, j'ai pas couru, il faut vraiment que je fasse ma séance aujourd'hui. Ça va un peu mieux au niveau de ma crève, je prends ce qu'il faut. Là, je vais reprendre ce soir du Doliprane. Et voilà, je vais prendre un café et puis ça ira. Vous, c'est papa qui est rentré au café. Vous avez vu, du coup, il a fait tout le garage et tout, donc je suis trop contente. Franchement, ça lui a fait du bien. Il a fait toute la buanderie. Donc écoutez, ah bah, Millie a pris ses aises hein, sur le canapé. Bah, t'as vu? Et puis... Oui, et puis voilà, moi je suis en mode, non mais j'ai une dégaine, on dirait que je fais 40 kilos de plus, c'est que j'ai un gros pull, j'ai un t-shirt blanc en dessous, j'ai mon vieux joggy, j'ai mes crocs, enfin bon, bref, on s'en fiche, c'est pas grave. J'ai fait mon évaluation de stage, mais je vous expliquerai tout à l'heure, parce que là avec les enfants, ça va parler, ça va être agité, donc voilà. Bref, ce soir normalement au menu, je vais faire des tartines de chou-fleur, donc je vais essayer de faire ça avant de partir, je vais vous faire voir ça, c'est une recette que j'ai vue passer sur les réseaux. Chou-fleur, problème, c'est
C'est comme des feuilles. Oui, les feuilles, on dirait de l'herbe. Ah, le Didi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux, Didou? C'est le Didou. J'allais me faire mon café, du coup, ça m'a fait penser. J'ai acheté des recharges pour la petite fontaine à Milly. Puisqu'en fait, il y a des filtres à l'intérieur. Désolée, hein. C'est la vraie vie. Par 8, 18 euros. Et du coup, vous avez les embouts comme ça pour joindre les capteurs dedans. Et c'est des filtres en fait qui se présentent comme ça. Voilà. Outre, si la panière c'est Amazon, mon mec. La panière, les filtres, tout ce que je vous montre, c'est en barre d'infos généralement. C'est rare. Donc voilà, la petite fontaine, Milly, elle adore. Hein. Franchement, elle y va vraiment tout le temps, tout le temps. Même Nala. Et pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Elle est vraiment trop, trop bien. Et c'est juste ça qu'il faut changer assez régulièrement. Donc on va dire une fois par mois, vous changez le filtre. Donc là, vous voyez, 18 euros pour... il y en a 6. 6, pas 8, il y a 6 filtres. Donc en soi, ça va. Elle est excitée. Sans la neige. Sans la neige, ou alors c'est nous qui n'avons plus de patience. Ça peut être ça aussi. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais sur Amazon... Oh, je trouve pas... Aujourd'hui, j'ai fait que ça. J'ai confondu tous mes mots. Sur... Je prends mon truc de magnésium. Sur vente privée, il y a une vente privée Bibi Sport. BM Sport. Vous savez la marque où j'ai acheté mes manchons? Je m'étais tâtée à en reprendre du coup. Je vais regarder s'il y a encore du stock ou ma taille. J'aurais bien à m'en reprendre un pour pouvoir switcher quand je lave les autres. Et il y a une vente privée Salomon aussi. Salomon ou Salomon? Je crois que ça se dit Salomon. Pour le running, c'est tout ce qui est chaussures trail. Celle-là, je le sais parce que ma copine Manon a craqué sur une paire. Mais du coup, voilà, si ça peut vous intéresser pour ceux qui sont pro running. Et je sais plus si je vous l'ai dit, je me répète peut-être, mais samedi, je vais dans un magasin spécialisé pour me renseigner et tout. Et essayer des choses, voir un petit peu et donner des idées pour le papa Noël. Et voilà, bon, on a l'impression que ça fait encore fouillis, mais je vous garantis qu'il a fait du tri et qu'il a rangé. Franchement, ça fait trop bien, ça fait grand, hein. Du coup on a l'impression que ça fait une grande pièce, je trouve, hein. Je trouve pas que il est là, il est avec moi, ça fait plus grand du coup, je trouve, hein. Du coup on a enfin fixé l'aspirateur au mur. En fait, c'est qu'à la base faut qu'on le change parce qu'il est mort chez moi, mais bon, tant pis. Tant pis, il tient plus du tout la charge. Au bout de 2 minutes, il se décharge. On a changé ça, là, qu'on a payé 10 francs 6 sous. Mais non, Loudou, enlève-toi de là. Heureusement qu'on a mis la sécurité. Attends, je la remets. Là, allez. Et la machine à laver, bon, on en est plutôt content. Voilà, et là, du coup, dessus, il a mis 2-3 trucs. Il a essayé de re-ranger. Ça, c'est tout le vintage qu'il faut que je prenne en photo et que je mette. Il y a de l'été, il y a de l'hiver, il y a un peu de tout, il y a des chaussures, il y a des jeux aussi. J'ai des jeux, bon, qui sont pas dedans, mais des jeux en bois, j'ai plein de trucs parce que bébé Raph, il a plein de trucs. Style où on met dedans, carré avec le carré, machin, il a plein de trucs comme ça et on en a 3 ans. Donc, maman. Oui, maman, mon doux. Donc voilà, je suis trop contente, t'as bien travaillé, mon mec. Et le garage, il est bien aussi. Ouais, ça fait vraiment bien ce petit canapé là. Franchement, ils vont être bien, les chiens. Hein? Vous êtes prêts ou pas? Petite, bon, faites pas attention aux taches, hein, de peinture et tout, ça. C'est chiant, on peut pas. C'est quoi les toutous? Ta place! Il y a ça! Mais qu'est-ce que c'est? Il est le premier qui va ta comprendre. Place. Ah, mais il a compris direct! Waouh, les toutous! En sachant qu'ils dorment toujours l'un sur l'autre. Hein. On peut pas les séparer. Ils dorment. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, c'est quoi? C'est du canapé, oh là là, tout ça! Ouais, vous allez être bien là. Bon, j'ai fait la petite soupasse. Alors j'ai mis, pour une fois, pour changer, un poireau, une courgette, 2 carottes, une petite pomme de terre et un pané. On verra bien ce que ça donne. 30 minutes, ça c'est prêt. Et après, je vais attaquer les trucs de chou-fleur. Je crois qu'il y a une pré-cuisson, donc je vais faire ça. Bon, première étape, on coupe du chou-fleur, on fait des tranches comme ça.
Et on badigeonne d'huile d'olive 25 minutes au four à 200 degrés. Et après, vous allez faire le reste. Voilà, pour le moment, c'est ça. Et là, j'ai mis des petits bouts classiques avec d'huile d'olive. Parce que là, sur ceux-là, je vais faire des tartines. Et sur ceux-là, j'ai mis du Clexicos. Bon, du coup, Maëvie est en train de manger. Donc, j'ai fait des petites pâtes. Il y a des bouts de comté. Et en plus, je suis enrhumée. Ah oui, en plus, t'es enrhumée. Et la petite soupe. Oui, et toi, tu vas aller au lit. Dodo, mon doux. Bon, ensuite, vous voyez, je les ai sortis du four. Je vais juste les tartiner et les remettre un petit peu au four. Je prends une cuillère pour le coulis de tomate. Alors, il faut mettre du coulis de tomate. Ce que je vais faire. Tac, tac, tac. On va y badigeonner. Alors, seulement là où je fais des espèces de tartines. Hein. Vous voyez, bon, là, voilà. Plus là. C'est pas trop pratique, je trouve, le côté... C'est une trop bonne idée, je trouve, mais le côté un peu chou-fleur, bref, alors il aurait fallu que je le choisisse et qu'il soit plus gros, mais vu que je l'ai pris au drive, c'est pas trop praticos. Mais bon, écoutez, voilà, donc je vais bien badigeonner, ça, voilà, j'arrive ma vie, 2 secondes. C'est quoi le rouge? C'est du coulis de tomate, le rouge, voyez, bon, celle-là... J'ai pas déjeuné comme ça. Je dirais que la sauce tomate. Mais c'est ça, c'est de la sauce tomate. Je vais en mettre un peu plus. Parce que, hop là. Parce qu'on est gourmand, on est fendant, on aime bien. Voilà. Tac, tac, tac. Après, ils mettent les épices au choix. Enfin, ils mettent des épices. Moi, je vais rajouter du sel parce que déjà que le coulis, je trouve que c'est assez fade. Là, je vais rajouter du sel un peu sur cela là. C'est bien fait. Je vais rajouter un peu d'ail. Ça fera pas de mal. Et normalement, eux, en fait, ils rajoutent des dead bacon ou du jambon. Le truc, c'est que nous, on va manger de la hampe avec. Donc, du coup, vu que moi, j'ai déjà ma base de protéines, je vais pas en rajouter un peu plus. Hop, voilà. Tac, 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 je vais rajouter un petit peu d'origan. Oh, bah dis donc, il n'y a plus d'origan. Faites voir dans notre tiroir secret, c'est un origan. Mais je crois pas qu'il y en ait encore, non. Et bien oui, faut, je remets de l'origan. Voilà, et après, en fait, il rajoute du gruyère. Alors, on va rajouter du gruyère. Oui, merci, Maëvie, de ton intervention. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, n'est-ce pas? Hop là. Voyez, tac, 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 écoutez, ça ira bien. Et là, je vais laisser classique. Mais Evie, t'aimes bien le chou-fleur, ton mouchoir, ça? On mangera demain midi comme ça, du chou-fleur classique. Bah, tu goûteras. Et voilà, écoutez, et là, je vais renfourner 10-15 minutes. Je vais jauger à l'œil. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, mon assiette, elle est là. Donc, du coup, voilà le chou-fleur. Alors, c'est un chouïa dur, mais ça reste du chou-fleur. Hein. Ça va ramollir quand je vais faire réchauffer au micro-ondes. Là, j'ai un chouïa de pâte et des lentilles. Voilà, il reste des lentilles, donc je vais me les mettre. J'ai mon bol de soupe et je me suis déjà coupé du dessert. J'ai le reste des pommes et 5 petites amandes. Puisque là-bas, oui, là-bas, vous le voyez pas, j'ai une chaussette à Raphaël, non. J'ai mon porridge, je me suis fait un porridge pour demain matin. J'étais en train de me dire, attendez, je fais le tour. Bonsoir Amélie, oui je vais te sortir mon petit chat. Oh, plutôt te rentrer. Je suis en train de me dire, en vrai, dans la préparation, je pourrais même rajouter des petites pépites de chocolat. Ça ferait vraiment un truc vraiment très très gourmand. Vous prenez la même recette que je fais d'habitude, mais en plus de ça, vous rajoutez des pépites de chocolat. Ça peut être super bon. Là c'est la part à Vincent, et puis voilà, dans mon assiette, j'aurais plus qu'à rajouter de la hampe. Voilà, on va faire un bout de hampe. Et puis voilà, j'ai de la soupe encore, donc je suis contente. Voilà, et puis ça sera pour demain, pour les enfants. Demain midi, chou-fleur, il y a des pâtes. Je sais pas ce que Vincent il fera avec. Il y a de la sauce tomate en plus, donc au pire, il pourrait même faire des pâtes à sauce tomate. Mais bon, demain soir, c'est pâtes à la bolo, donc je suis pas trop chaud pour qu'ils mettent du coulis. Mais voilà, ça fait plein de petites choses. Voilà, c'est plutôt sympa à faire ça. Bon, je me mets là pendant que Vincent est en train de d'éplucher des pommes de terre. Vincent, il a envie de se faire une purée avec. Donc il se fait une purée. Moi perso ça va, j'ai assez ce qu'il faut, mais écoutez, il se fait une petite purée maison. Je vais moucher, je vais le faire mon nez et je vais aller courir. Je vais clôturer le vlog ici. Au début je voulais clôturer après ma course, puis Vincent m'a dit le temps que tu exportes les rushs et tout, t'es pas couché encore, donc il me dit
clôture là et après comme ça au moins le temps que je cours je vais mettre tous les rushs sur l'ordi et j'aurai plus qu'à faire mon montage derrière. Je recommence à avoir des courbatures un peu dans le dos et tout, mais je pense que c'est la crève qui fait ça. Faut que Vincent, je l'ai dit hier mais on a encore oublié, je me suis endormie tellement rapidement qu'au final j'ai oublié de lui demander de me masser le dos. Faudrait que tu me mettes un peu de la d'arnica, tu sais, dans le dos. C'est pas de la Saint-Bernard là qu'il faut, c'est vraiment genre je sens que c'est les courbatures de la crève, vous voyez. Donc bref, je vais clôturer donc en vous expliquant un petit peu le voyage scolaire à Nini. Alors vraiment dans les grandes lignes parce que j'ai le temps de vous expliquer. Mais du coup en gros Léonie elle va partir une semaine au ski. C'est où le lieu où elle va aller? Au domaine de Fréché. Au domaine de Fréché, s'il y en a qui connaissent. C'est en Haute-Savoie. Ce qui est bien, c'est que c'est pas loin des Minous. Mais ils sont plus près que nous. Ah bah oui, ils sont donc moi, je me suis dit, s'il arrive quelque chose, il y a les Minous pas loin. Je suis angoissée. Ça me fait peur avec tout ce qui se passe, en fait, de la laisser partir. Mais... oui, ils sont encadrés. Spécialisés, agréés par l'État et tout. Oui, voilà, c'est dans un lieu agréé par l'État, machin, nanana. Ils vont avoir cours en fait en même temps. Enfin, c'est... Et puis 5 jours au ski par famille, ils demandent une participation de 200 euros. Donc autant vous dire que c'est rien pour 5 jours au ski avec 3 repas par jour, les goûter. Ils vont faire du ski, ils vont faire plein de trucs. Enfin, donc voilà, franchement, je suis trop contente pour elle. Moi, je te lui en prie. Ouais. Bien nous, sûr. Déjà, on n'aime pas le ski, mais on ne va pas. Si, moi j'aime bien le ski. Toi, t'aimes pas, mais moi j'adore le ski. Pas le ski. Ah si, j'aime bien moi. Moi aussi, mais j'aime bien le ski. Dès que les enfants sont un peu plus grands, moi je compte bien faire des trucs. Le ski à Dubaï. Ouais, ski à Dubaï. Donc bref, ah j'ai plus de batterie, bien évidemment. Bien évidemment. Non, en vrai, je trouve ça bien, puis il faut bien que jeunesse se fasse, entre guillemets. Moi, quand j'étais gamine, je suis partie, j'avais 9 ou 10 ans. Ah, 8 ans et demi, j'avais pas 10 ans. Je suis partie en Guyane, moi. Donc, comment vous dire? C'était un projet sur 2 ans. Hein. On avait des correspondants guyanais et tout. Enfin, c'était trop bien. Mais bah, je suis partie, hein. Ma mère, elle m'a laissé partir. Mais ouais, là, je me dis, la Nini, première fois qu'elle est loin de moi et avec des personnes, entre guillemets, que je connais pas. Même si on connaît la maîtresse et tout, c'est vraiment pour moi. Bah, en vrai, sur 6 personnes, il y en a déjà 4 de l'école. Oui, voilà. Sur 6 encadrants, il y a 4 de l'école. Et ils sont combien? 2 classes, donc 49 élèves. Mais bon, elle va kiffer, ça va être trop bien. Et puis c'est pas mal, au moins, ça peut lui faire voir aussi un peu ce que c'est dans le principe d'une colo. Parce que moi, j'aimerais bien, Léonie, qu'elle aille en colonie aussi. Ah si, ils ont demandé aussi pour l'argent de poche. Ah oui, c'est oui, parce que personne m'a demandé aussi. Bah, ils ont dit qu'il fallait donner 10 euros dans une enveloppe que les maîtresses garderont et que pédagogiquement, je ne sais pas si ça se dit, en fait, c'est, il leur donnerait les 10 euros en mode tu gères, tu vas acheter, tu récupères ta monnaie et tout. Ah oui. En gros, ça les que 10 euros. Ouais, que 10. Pas plus. Imagine 49 enfants, faut gérer les sous de tout le monde. Ah, j'avoue. Ouais. Bon, ok, bah, parce que je savais pas s'il fallait donner de l'argent. Bah, elle a dit, on achètera un souvenir, mais pas pour toute la famille. Ouais. Pas mais moi, je veux qu'elle... moi, je le dirais à Nini, je veux que tu t'achètes un souvenir pour toi. Par contre, tu n'auras pas de nouvelles individuelles. Ah oui, alors c'est ça. Parce que moi, je dirais, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? C'est pas des nouvelles individuelles, c'est sur l'application. Ouais, c'est sur l'application. Des photos. Oh. Après, s'il y a un souci, t'appelles. Arrête! T'es comme... Un... t'es comme moi. C'est qu'à 3 heures, je regarde. Bon, bref, écoutez, la Ninouche, elle va partir. Oh là 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 là. C'est pour elle, en vrai. Bien sûr, puis ça va la. Moi, c'est Ninou, c'est une blondette. Mais... puis ça va la responsabiliser. En plus, c'est avec ses copines. Et puis, oui, ce que je disais, ça pourrait le faire voir aussi un peu aussi le concept colo. Il ferait des groupes par chambre, qui seraient entre 4 ou 10 par chambre. Voilà. Et elle a dit, mais les groupes, on sait qui verra avec qui, puisqu'elle a dit, il faut quand même qu'ils dorment. Ah, bah oui. Oh là 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 là. Ils ont droit à veilleuse, droit à doudou. J'ai peur. Alors, elle a dit, les doudous. Personne dit qu'ils ont un doudou, mais ils en ont tous un. Oui. Non, moi, Léonie, c'est mort, elle aurait son doudou. Ah bah oui, non, mais c'est toi, c'est... ça, les veilleuses aussi. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Voilà pour la Ninouche, mais on attend d'en parler. Il va falloir que je l'équipe. Donc d'ailleurs, je vous le dis dès à présent, si vous avez des Vinted avec des vêtements 8-9 ans, n'hésitez pas. Parce que de ski ou autre, même autre, parce que je suis en train de me faire une petite liste sur le frigo. De ce qui manque pour les filles.
parce que là en ce moment je fais leur linge et je me rends compte que pour l'hiver il manque telle et telle chose. Donc n'hésitez pas, alors pour Léonie, hein, pas pour Maëvie, mais pour Léonie, n'hésitez pas, 8-9 ans. Et même pour vos Vinted aussi, pour bébé Raph, des vêtements garçons, je suis preneuse pour tout ce qui est body et pyjama. Voilà. Après le reste, ça va aller. Hein ? Oui, c'est pour la viande. Ah bah non. Bah, alors, la grosse est là. C'est qui la grosse ? Il y en a deux grosses. Poil. La grosse c'est qui ? La grosse poil ? Ah. Bon allez, je vais courir parce qu'il est 9h. Je vais courir. Vincent il va regarder un incroyable talent, je pense, pendant ce temps-là. Je vais faire une facture. Ah, voilà. Chacun son truc. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Merci pour vos petits messages. Il y en a qui m'ont dit que ça a fait bizarre pendant 2 jours que je vlogue pas ni rien. Comme je vous le dis, des fois, bah, il y a des moments où je peux pas. C'est pas que je ne veux pas, mais je le peux pas. Mais merci d'être toujours au rendez-vous quand je poste une vidéo et de suivre mes petites aventures. Là, je vais pouvoir reprendre le rythme de l'IFAS. Ça va être bien. Vendredi, je vous ferai le topo. Mais non, c'est plus pas mon porridge. Bah oui, c'est la cannelle. Je vous ferai le topo vendredi, fin de stage, ressenti, etc. Voilà. Et là, bientôt, mais vraiment bientôt, je vais vous faire ma vidéo sur mes idées cadeaux. Voilà. Ça. Et puis, il y a plein d'autres petites choses qui vont arriver. Mais bon, je vais pas tout vous spoiler ici. C'est pas le but. Hein. Faut vraiment. C'est horrible ce truc-là. J'ai l'impression d'être Vincent. Vincent, quand il met une chemise ou quand il met un pull, il a toujours un t-shirt en dessous comme ça. Ouais. Et ça dépasse toujours, non, c'est horrible. Faut tirer sur le t-shirt. Tire sur le t-shirt, tu vois. Attends. Voilà. Mais regarde. Nickel. Non, mais là. Ah non, je déteste. On dirait toi, mon mec, là. Oh, j'aime pas du tout. Bah, j'aime pas ça, les trucs. Mais t'as un pull, c'est un t-shirt de cheveux. Bah, non, moi, je mets jamais de t-shirt sur mon pull. C'est que là, j'en ai mis un parce que j'ai dormi un t-shirt tout à l'heure et que j'ai mis mon pull par-dessus. Hein ? Pourquoi tu mets un pull là ? Parce que je mets un pull. Mais non, mais. Pull, quoi. Vas-y, team t-shirt sous pull ou team sans rien sous pull ? Moi, je suis en soutif sous pull. Des pulls. T'as des pulls fins qui sont exprès. Ça, c'est pas un pull fin. Ça, faut mettre un t-shirt là-dessus. Mais non ! Si, t'as des pulls fins, un peu, des t-shirts un peu plus épais. T-shirt à manches longues. Un peu plus épais, exprès. Mm-hmm. Là, tu mets rien. Il y a un pull. Non, non, moi, je mets rien. Bah, ah, dites-moi en commentaire. Capuche, tu mets quoi ? Tu mets un sous ta capuche. Des fois, je mets un t-shirt, mais c'est très rare. Et quelle est la différence ? Là, t'as juste pas de capuche. Ah non, mais moi, je mets rien en dessous. Hein. C'est très rare. Hein. Même si jamais. Tête de mes 3 enfants, je mets jamais rien sous mes pulls. À part mon soutif. Tout le monde met un t-shirt. Non, je te jure, je mets rien. Bah, dites-moi si c'est moi qui suis pas normal. Peut-être que c'est moi qui suis pas normal. Hein. Oui, c'est sûr, même. C'est comme si tu mettais un. Non, j'ai pas d'exemple. Bah, ouais. Et ben, dans ce cas-là, tu me dis rien. Tu mettais pas un truc sous ton survêt, mais non, t'as rien sous ton survêt. Non, sous mon survêt, j'ai que ma petite culotte. Ou rien du tout. Non, je rigole. Il me regarde de loin, il me fait. Moi, je suis tout nu sous mon caleçon. Bah, oui, sous ton caleçon, heureusement que t'es tout nu. Après, des fois, il peut y avoir de la jungle, hein, dedans. Non, c'est du bon, parlons. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous. Hey Marion, quoi ? Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir ? Dégage. Dégage.